Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, nouveau tournoi. On est le lendemain du tournoi qu'on a fait hier où on est arrivé 6ème. On est retourné en P250, on retourne au TPC avec Alban. Intérieur, du coup, conditions différentes d'hier. Il va falloir se réhabituer encore les changements comme ça. Mais on est motivé comme jamais. On sait qu'il y a un gros tableau. Peu importe ce qui va se passer, voilà, on y va pour progresser, prendre du kiff. Et voilà, vous pouvez voir, il fait beau. Et puis voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Et puis voilà, je vous emmène avec moi comme d'habitude. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti du coup, 16ème de finale de ce P250. Premier tour, 24 équipes. Désolé pour l'angle, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que j'avais placé le téléphone, enfin la caméra. Et je pense que quelqu'un a dû toucher au trépied. Et du coup, ça s'est retrouvé de travers. Gros premier point pour commencer, vous avez pu voir. C'était une paire un peu déséquilibrée, j'avais l'impression en face. Parce que le mec à gauche jouait vraiment pas mal. À droite, ça jouait vraiment moins bien. Et c'était un petit peu décousu du coup. Ah, il était capable de sortir de bons coups, mais capable aussi de faire un peu de faute après. C'était vachement décousu. Très bizarre. Très bizarre comme match. Pour commencer, pour se mettre dedans, en tout cas, pas facile. Là, il faut avancer. En plus, on s'était fait breaker d'entrée. On a réussi à débreaker. Il faut tout de suite qu'on recolle au score. Mauvais choix, faudrait qu'on lobe, ça fait un moment qu'on n'a pas lobé. Voilà, et on se fait avoir. Ça c'est typiquement bon, pas très bien placé dessus. C'est typiquement ce qu'il faut, ce qu'on travaille à deux. Ah, ça c'est bien bloqué par contre, bien anticipé. C'est bien, toujours en avançant. On n'est pas assez décisif sur la volée, faudrait qu'on soit peut-être un peu plus agressif. On n'a pas hésité à en mettre un peu plus, couper un peu plus la volée, histoire qu'elle ne ressorte pas, qu'elle reste au fond du terrain, mais avec un peu plus d'intensité. Je nous trouve relativement mou en fait pour des premiers matchs. Difficile de se mettre dedans en fait si on bouge pas. C'est clair que faut vraiment qu'on bouge plus. Là par exemple on est très, très passif, il se passe rien. On attend, on attend, on attend, et après on y va. Alors qu'il faudrait qu'on y aille directement. Ouais, ça c'est bien joué. Heureusement qu'on a un petit peu de main, qu'on est capable de s'en sortir. Ouais. Si on accélère un peu le rythme et qu'on vient pousser un peu plus justement. Ouais, je la pose une, deux, je frappe, terminé. Voilà. Alban était capable de le faire aussi. Ils ont fait une faute sur le point d'avant, je l'ai pas mis. Dès qu'on prend en fait un peu d'initiative dans le jeu, tout de suite on est au-dessus. Il faut vraiment qu'on prenne beaucoup plus d'initiative. Voilà, comme ça. Pas hésiter en avançant en plus. On est dans le bon mouvement du jeu. Ah, dommage. On n'a pas parlé assez tôt, du coup on a mal lobé. Après, très beau par 3 de leur part. Bien joué. Ça, c'est bien, on avance. Parfait, je m'excuse quand même. Ça c'est bien couru. Il faudrait pas tout gâcher. Parfait ça. Et je la pose gentiment. Voilà, elle vient prendre le petit coin après. Ça c'est parfait. Il faudra vraiment que j'en fasse plus souvent. Parce que ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ouais, bien joué. Victoire, premier tour. Voilà team, victoire, premier match. 5-3, 4-1. Pas facile de se mettre dedans. Pas facile de retrouver des sensations en intérieur. On a donné du mieux qu'on a pu. On est passé. On est vraiment content d'être passé. C'était beaucoup mieux sur la fin. Voilà, maintenant on va jouer tête de série très 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 costaud. Voilà, on n'a pas de chance au tirage encore en quart. Et on va essayer en huitième même. Donc on va essayer de faire mieux que du mieux qu'on peut. Et c'est parti. Allez, on enchaîne tout de suite du coup 8ème de finale. Sur le même terrain. Voilà, j'ai replacé la caméra parce que je me suis rendu compte à la fin du match que la caméra était pas bien placée. Ouais, je m'en sors bien pour le premier point.
Du coup là c'était une grosse tête de série. Voilà, c'est des joueurs qui ont déjà gagné du P250, qui ont déjà été loin en P500. Ça joue vraiment vraiment très bien. Même s'ils ont eu du mal à se mettre dedans, voilà, on a breaké d'entrée. Ils ont eu du mal à se mettre dans leur match, c'est clair. Mais vraiment ça joue bien. Ouais, ça c'est bien joué. Faudrait qu'on fasse plus de points comme ça justement, plus de points où on va vers l'avant, où c'est nous qui commençons quelque chose. Voilà, vous verrez, il y a beaucoup. Alors vous verrez à la fin du match, hein, le score a été assez sévère, mais il y a beaucoup de jeux qui ont été à égalité, avantage, etc. Donc c'est vraiment dommage. Ouais, ça c'est bien joué à eux. J'ai pas eu le temps d'avancer, il me la met directement dans les pieds. Avec de la vitesse. Allez, faut y aller là, faut avancer, faut tenter quelque chose, faut lober, faut faire quelque chose. Ouais, on n'a pas lobé en fait, on aura donné que des volets à faire. Très mauvais choix. Ça c'est bien. Bien défendu. Vous pouvez voir, hein, ça défend quand même vachement bien. Ah, dommage. Dommage, on finit par craquer. On se fait breaker. Ils ont balle de break, pardon. Direct après, 0-40. Ça, c'est pas bien. On était vraiment très mal embarqué dans ce jeu. Ah là, on met pas assez les jambes, là on est pas assez dedans. Heureusement qu'il fait une faute. Hein. On n'est pas assez dedans. Ah, ça je m'en sors bien aussi. Heureusement que je viens poser la volée d'après, qu'elle ressort pas, qu'elle reste au fond. Ah, on sauve les 3 balles de break d'affilée. Donc encore un jeu à égalité. Faut qu'on fasse quelque chose. Ah, c'est dommage. C'est eux qui reprennent l'avantage. Allez, par 4. Très bien servi de la part d'Alban. Re une balle de jeu pour nous. Ah, c'est dommage. Dans l'intention, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai gardé au montage. Parce que dans l'intention, c'est ça qu'Alban il doit faire. Il n'y a pas la réalisation parce que techniquement, c'était pas ça. Voilà, beaucoup de frustration du coup. C'est dommage. C'est normal. On fait quasiment que des jeux à égalité, avantage. Ça frustre du coup d'avoir breaké d'entrée, de se faire rebreaker derrière, débreaker, puis rebreaker encore. Là, ils servent directement pour le set, sachant qu'en 4 jeux, ça va tellement vite. C'est super frustrant. Il faut avancer, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Par 4, bien joué à eux, balle de 7. Ouais, ça c'est bien joué. Encore un jeu à égalité. Très bien défendu. Bien celle-là. Parfaite de la part de Alban, parfaitement joué. Ah, j'aurais peut-être dû la taper celle-là. Balle de jeu pour nous. Voilà, mauvais choix. Et derrière, forcément. Là, le par 3 sur le côté. Retour à égalité. Et le par 4, pareil, j'ai loupé très très court. Je m'en sors bien, je boise un petit peu, mais je m'en sors bien, la balle reste dedans. Et derrière, on perd quand même le jeu. Donc encore un jeu qui va égalité, avantage et qu'on perd. Voilà, encore avantage. Mais c'est encore en leur faveur.
du tout été assez vigilant. Ça prend le coin de la grille. Et du coup, on se retrouve, voilà, balle de match contre nous. Ah, c'est dommage. C'est fini. On passe pas loin, c'est vraiment dommage. Allez, c'est parti du coup, match de classement de 9 à 16. Voilà, donc on sait qu'on prendra pas de points sur ce tournoi. Ah, c'est un peu dommage. Un peu dommage, et du coup, ça nous a pas aidé mentalement. Je pense que du coup, on s'attendait vraiment, vraiment à mieux, surtout avec le résultat qu'on avait fait la veille, puisque la dernière vidéo, c'était un tournoi la veille. On avait fini 6ème. Et là, du coup, on sait qu'on va finir entre 9 et 16 et qu'on prend pas de points. Encore une fois. Du coup, bon, même si on perd sur une très bonne paire et que voilà, c'était vraiment un huitième de finale, pas facile, ça nous met quand même un gros coup au moral et derrière ça va se ressentir sur notre jeu. Parce qu'on va, voilà, à la moindre difficulté, on va vite baisser les bras. Alors, c'est un tort, c'est vraiment pas bien, mais voilà, c'est compliqué de passer à autre chose. Voilà, en face ça joue vraiment bien. Donc le gars que vous voyez en rouge, il s'appelle Manu. Voilà Manu, si tu passes dans la vidéo, c'est un ancien top 100. C'est un mec qui joue, en tout cas qui a très bien joué, qui se remet un petit peu dedans, mais qui a très très bien joué par le passé. Donc qui a une très bonne main, qui est capable de ramener plein de choses. Voilà, qui joue vraiment vraiment juste. Ça c'est bien joué de ma part. Je vais pas faire grand chose de toute façon sur ce match. Tout ce que je vais faire, voilà, c'est 2-3 par 3. Et il se passera rien de plus. Alors, on se trouve vite mené à 4-2-2-0. Et il se passe pas grand chose. Ah, je suis persuadé qu'elle sort. Mais elle passe. Balle de match. Allez, c'est terminé. Bon les gars, défaite sur les deux derniers matchs. Premier match, qu'est-ce qu'on peut dire? Première défaite. Il y a un trou entre eux et nous, clairement. Ouais. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on a balle de jeu sur plein de jeux et on n'en met pas. Ouais. On met pas grand-chose. Ça montre de la solidité dans les joueurs importants. Ouais, clairement. Clairement. Parce qu'en fait, on fait... Il n'y a pas jeu égal, mais... Non, pas jeu égal, parce qu'ils sont quand même au-dessus. Ça se joue, mais ça se joue un petit peu. Petits trucs, et en fait, il nous manque encore ce petit truc en plus pour arriver à franchir ce cap entre des joueurs qui sont en top. C'est ça. Et deuxième match, premier match de classement. On s'est pas mis dedans. Franchement, mentalement, j'ai l'impression qu'on n'était pas dedans. On n'a pas fait grand-chose. Non, moi, j'étais encore frustré du match d'avant. Mais... Ouais, pareil. C'est mentalement, on n'y était pas. Ouais, toi, douleur à l'épaule en plus, donc du mal à, ouais, du mal à se matcher, le bras très très lourd. Et compliqué de, ouais, de se mettre dedans. Là, y a... Ouais, pas grand chose à dire. Pas grand chose à tenir, à part si les conseils. On a joué contre un mec qui était 300. C'est un prof de paddle, ouais, 300, ouais. Un ancien 300, un prof de paddle. Donc il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a dit qu'on jouait pas mal, mais qu'on n'avait pas de jambes. Franchement, il n'y a rien de nouveau. Il a dit qu'on pourrait faire une bonne paire, qu'on avait une bonne, ouais, main, mais que physiquement, on était des merguez. C'est ça. Donc bon, bah on sait sur quoi on doit aller bosser et on verra si on arrive à faire les matchs de classement ou pas. Et il vaut mieux se préserver pour la suite plutôt que de forcer. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ouais, on verra bien. Allez, c'est parti du coup. Match 13-16, donc avant-dernier match. Petit problème, la caméra n'avait pas filmé ce qui se passait avant. Du coup, je filme qu'à partir de 4-2 pour les adversaires. Là, vous pouvez voir, c'est... Bon, il se passe pas grand chose, on fait pas grand chose. On marche, on joue le strict minimum. Pour ça d'ailleurs qu'on perd le premier set. Je pense qu'on était plus du tout dedans entre notre défaite en 8ème de finale, puis notre défaite sur le premier match de classement. Ça nous a un peu cassé le moral. Donc pour le coup, on jouait vraiment en marchant. On n'a pas fait grand chose. Alors c'est pas très respectueux, donc c'est pas cool à ne pas refaire. On était vraiment, vraiment dégoûté. Voilà, donc là j'ai mis que quelques points. On se retrouve directement au super tie break du coup. Il se passait rien dans le deuxième set. Voilà.
Il suffisait qu'on joue un tout petit peu. Je pense qu'on était au-dessus sur le match, mais voilà, pour le comportement qu'on a eu, je pense que les adversaires méritaient plus. Allez, balle de match. Voilà, toujours, on bouge pas. Allez, terminé. Assieds-toi, voilà, recouvre-toi un peu, ça c'est important. Bon, on va faire le débrief. Ouais. Oh, ouais. Oh. Ambiance sombre. Vas-y, je joue. Ouais. Je joue. Attends, on va le mettre là. Ouais, normalement c'est bon. Ah, allez. On va y arriver. Bon, on va faire le débrief du tournoi tout de suite. Je pense qu'au moins ça sera fait. Il nous reste un match. On va pas arriver avec sérieux. Il nous reste un match à jouer de classement. En deux jours, on aura vécu deux émotions différentes, c'est-à-dire notre meilleur résultat et notre pire résultat. Que dire ? C'est beau. C'est beau, c'est très beau. Donc là, on va jouer quoi ? 13-14 ? Ouais. Autant dire 0 points. Pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà, pour l'épaule de Alban et pour le pied de Kevin. Et voilà. une bombe froide. Regarde. Incroyable. Biofreeze acheté à la pharmacie. Très important. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi ? Bon, ok, on n'a pas eu de chance au tirage, on a joué des grosses têtes de série. Et à part ça. Que dire ? Il faut tirer quelque chose de ce tournoi. Bah, qu'il faut continuer à travailler. Ouais, ce qui est clairement. Frustrant, c'est qu'on a travaillé, mais il manque énormément de choses. Il manque encore des choses, ouais. Et notamment le physique. Ouais. On n'est pas assez, en fait, explosif. Je cherchais le mot. On manque deux jambes, en fait. Ouais, on manque deux jambes, clairement. On a les gestes, on a la gestuelle, on a ce qu'il faut. On est capable, on a des lacunes, bien sûr. On n'a pas les jambes. Mais en fait, si physiquement, déjà, on n'est pas à 200%. Ouais. Et bah, direct, dès que le niveau s'élève, on pêche tout de suite. Très compliqué. Donc même si on s'est amélioré physiquement, bien sûr, il reste encore un gros gap à aller chercher et il va falloir pousser ça, hein, fin février, mars, pour objectif top 1000 en mois de juin, mon pote. Mois de juin ? Ouais. Je pense que t'es optimiste, mais on peut viser, on peut essayer. Allez, on se donne rendez-vous du coup, moi débrief à froid un peu plus tard dans la vidéo, et Alban le retrouve du coup sur le prochain tournoi. Il reste encore un match. Ouais, non mais là je veux pas filmer, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, flemme. Dernier match, enfin, on verra, peut-être je mettrai 2-3 points histoire d'eux, mais voilà. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, au cas où. Surtout dans le commerce, achetez l'over, c'est super bon. Allez, c'est parti. Bon, la team, du coup, fin de ce tournoi. Que dire en premier ? Deux choses chaotiques, ce tournoi. Pourquoi ? Parce que déjà, on a vite baissé les bras. En fait, quand on a perdu en 8ème de finale, après, on s'est complètement laissé abattre et on a pas fait grand chose sur les matchs de classement. Alors que je pense qu'il y avait des bons matchs à aller chercher, notamment le premier match de classement, où il y avait quand même un ancien top 100. Donc je pense que si on avait des choses à mettre en place, c'était sur ce type de match. Et on n'a pas été capable de le faire parce qu'on bloque dans la tête. Et ça, c'est dommage. Et deuxièmement, parce que putain, mais qu'est-ce qu'on bouge pas sur ce terrain? C'est incroyable. Plus je monte les vidéos, plus je me rends compte que ok, on est capable de voler, on est capable de se matcher, on est capable de faire des choses. On a une main, en fait. Mais on bouge pas notre putain de cul sur le terrain, quoi. Et tant que ça, on n'aura pas décidé de bouger, bah, il se passera pas grand chose. Donc c'est à nous et à moi le premier aussi de bouger mon cul, quoi, sur le terrain et de faire quelque chose. Sinon je pense qu'à un moment donné je vais rester au classement que je suis là toute ma vie et puis il se passera rien d'autre, quoi. Donc il va falloir peut-être que je fasse une vraie préparation physique sérieuse pour arriver en confiance sur le terrain et être capable de bouger correctement. Voilà, du coup, pire résultat, on finit 13e. Alors j'ai pas mis le dernier match. Le dernier match, je l'avais mis en live sur mon Insta. Ceux qui l'ont vu d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu que je fasse un live comme ça, histoire de savoir si j'en refais d'autres. Je compte en mettre d'autres, des lives sur d'autres plateformes aussi. Donc dites-moi si vous voulez voir un peu plus de live sur les plateformes. Et voilà, de temps en temps j'essaierai d'en mettre un petit peu, comme ça ça me fait moins de montage déjà. Puis bah, ça fait déjà 4 matchs à monter, ça fait déjà moins de montage plutôt que 5. Et en plus ça permet de voir en live complètement ce que ça donne. Et là pour le coup, le dernier match, je sais qu'on a joué complètement relâché avec Alban et on a gagné. Et du coup c'est là qu'on finit 13ème. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a réussi à plus bouger sur le dernier match que sur les autres matchs où on aurait dû vraiment vraiment bouger, où il y avait un enjeu. Donc voilà, encore une fois, c'est dommage, mais il n'y a que nous qui puissions faire quelque chose maintenant pour remédier à ça. Voilà, du coup, la team, fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner là, juste en bas, laisser un like, un commentaire. Toujours plaisir, on est bientôt à 500 abonnés. Bientôt la moitié de l'objectif que je me suis fixé pour cette année. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Continuez comme ça, vous êtes vraiment au top. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.